Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans mon nouveau décor. Alors c'est le décor que j'ai élaboré et que maintenant je pourrais me mettre dans ce décor. Je l'aime beaucoup, dites-moi si vous vous l'aimez. J'ai juste un petit peu noëlisé justement mon arrière-plan. Et donc voilà, dites-moi si vous aimez, en tout cas moi j'aime beaucoup. Et on se retrouve aujourd'hui pour vous faire des idées de cadeaux et ma wishlist personnelle pour Noël, donc ce que j'aimerais bien avoir. J'espère que ça va vous plaire et on commence. Alors j'ai mis sur ma tablette tout ce que je voudrais bien avoir. Je vais vous expliquer au fur et à mesure et sachez que selon mes envies à moi, vous pouvez vous inspirer si vous avez un cadeau à faire. Donc, premièrement, j'aimerais tellement avoir... C'est pas que j'aimerais vraiment l'avoir, etc. etc. C'est vraiment... c'est juste un rêve en fait d'avoir cette robe là. Elle est juste canon, elle est magnifique, c'est le style de robe de princesse dont j'aimais toujours rêver quand j'étais petite, voilà. Elle est juste Mamma Mia sublime. Elle coûte dans les 100€ sur le site lightinthebox.com si vous avez des robes à acheter. J'aime beaucoup ce site-là pour ça. Je ne l'aurai jamais, mais c'était juste un petit rêve personnel. On a le droit d'avoir des petits rêves. Ensuite, je voudrais avoir ce petit sweat, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je vous montre, mais en tout cas, c'est un sweat où il y a écrit Mendes et le numéro 98, c'est pour Shawn Mendes. En fait, c'est un sweat Shawn Mendes. Et comme j'adore Shawn Mendes, j'aime... Et voilà, ce sweat, je pense que je vais me l'acheter. Je pense que c'est aussi ma wishlist personnelle, ce dont j'ai envie et ce dont j'ai envie de m'acheter moi-même. Voilà, donc je vais me l'acheter. Ensuite, cette palette... Huda Beauty, c'est la palette Rose Gold Edition qu'elle a sortie récemment et elle est magnifique. Comment, enfin, c'est waouh quoi. Il y a des couleurs un peu nude, j'ai craqué pour ces couleurs-ci qui sont un petit peu dans les teintes de l'automne en fait. Mais alors, toute cette ligne-là, c'est des pigments et ils sont mais sublimes, surtout le Rose Gold. Hein. Avouez, on a tout craqué sur le pigment rose gold. Et je me suis commandé cette palette. Donc j'ai vraiment trop hâte de la recevoir. Ensuite j'aimerais trop avoir... Ah oui, je me suis aussi commandé les rouges à lèvres mat Huda Beauty. Si vous avez un cadeau à faire à une fille qui est folle de rouges à lèvres mat, je vous conseille les Huda Beauty. Parce qu'il y a plein de couleurs, ils sont trop beaux, etc. Ensuite, j'aimerais bien personnellement avoir les Melted Matte. 1, 2, 3, les Melted Matte de chez Too Faced. Parce que ils ont l'air juste dingues, les couleurs elles sont magnifiques. Donc voilà, je pense pas que je vais avoir ça. Je pense pas non plus que je vais me les acheter. Franchement, c'est vraiment un petit coup de cœur, mais je sens pas l'envie extrême de me les acheter en fait. Donc ça c'est juste une petite idée pour vous parce qu'ils sont trop beaux en fait. Ensuite je voudrais avoir le Grand Hôtel Café de chez Too Faced. En fait c'est une édition de Noël. Too Faced fait souvent des coffrets comme ça pour Noël, des coffrets avec à l'intérieur des palettes. Et en fait je vais vous mettre juste ici comment est ce coffret. Et le design des palettes est juste trop mignon, c'est Too Faced, c'est trop beau quoi. Et moi j'ai eu le coffret de l'année dernière qu'ils ont fait Too Faced, donc moi j'ai eu le grand palais, voilà. Donc à l'intérieur il y avait une base, un melted et il y avait le mascara Better Than Sex qui est le meilleur de tous, je le dis tout le temps, c'est mon favori. Du coup j'ai eu ce coffret, sinon ils ont de chez Urban Decay. Il y a eu une époque où je la voulais, enfin il y a eu une période où je voulais absolument cette palette, genre je la voulais, tu vois, parce qu'elle est trop belle. Les tons, elle est dans les tons roses en fait, nude et rose, et elle est trop belle. Là c'est juste une idée que je vous donne parce que effectivement je ne pense pas me l'acheter. Ensuite je voudrais m'acheter une robe pull parce que c'est la grande mode cet hiver, les robes pull. Je trouve ça trop beau et tout. C'est pas vraiment cher, je vais m'en acheter une dans mon investissement personnel également. Ça coûte pas vraiment cher, donc du coup bah je vais me l'acheter demain. Et ensuite il y a un truc que j'aimerais bien avoir, vous ne verrez rien.
mais c'est un fond vert. J'aimerais bien un arrière-plan vert, vous voyez, avec deux poteaux comme ça et comme ça, voilà. Les fonds verts comme les youtubeurs peuvent avoir pour faire genre des scènes un petit peu, vous voyez, si vous êtes calé un petit peu en tout ce qui est cinéma, etc. Vous savez que quand on se met un fond vert, on peut tout faire. Et je voudrais vraiment un fond vert pour essayer parce que moi j'adore tout ce qui est montage, cinéma, effets spéciaux et tout. J'adore. Donc, si je pourrais avoir un fond vert, je pense que ça m'aiderait à faire plein de projets en fait. Ma wishlist est terminée. Et là, du coup, je vais vous donner des idées de cadeaux. Alors, pour qui? Pour lui? Pour elle? Pour un enfant? Pour un grand? Je vais vous donner des idées. Déjà, un truc qu'on peut offrir aux enfants, qu'on peut offrir aux ados. Un truc trop cool qui était dans ma wishlist et qui ne l'est plus étant donné que je me le suis. Enfin. On me l'a étant donné qu'on me l'a acheté. C'est un. Désolée pour ce gros bruit. C'est un casque de réalité virtuelle. Je crois qu'on en entend parler sur YouTube. On en entend beaucoup, beaucoup parler. Il y a des youtubeurs qui testent et tout. Moi, j'ai trouvé ça hyper, hyper fun, hyper. Voilà. Et en fait, je vais vous faire une vidéo spéciale où je vais tester la réalité virtuelle. Avec vous en fait c'est vraiment en fait j'avais du mal à croire que rien qu'avec la vue en fait même si on a l'effet 3D et tout je me disais mais comment c'est possible en fait que rien qu'avec la vue on ait l'impression d'être dans un autre endroit par exemple si vous avez envie de faire plaisir à une make-up addict je vous conseille du Too Faced ou du Urban Decay, leur palette, leur rouge à lèvres, ils sont juste top. Ça, c'est pour les make-up addicts. Ensuite, vous pouvez acheter un parfum. Ça fait toujours plaisir. Les parfums de grandes marques, on n'a pas souvent l'occasion de s'en acheter et c'est la bonne occasion d'en offrir ou d'en demander à Noël. Ensuite, les fringues. Alors, les fringues, c'est un petit peu délicat parce qu'il faut vraiment connaître le style vestimentaire et les goûts de la personne à qui vous offrirez des fringues. Alors, si vous ne connaissez pas trop cette personne, je vous conseille de ne pas offrir des fringues. Et si vous connaissez bien cette personne et que vous connaissez son style vestimentaire à 100%, de A à Z, eh bien, pourquoi pas acheter des fringues. Ça, moi, je dis que les cadeaux, quand vous en offrez, il faut vraiment s'inspirer de ce dont la personne est passionnée, ce que la personne aime. Par exemple, si votre petite cousine aime bien la Reine des Neiges, offrez-lui un petit jouet, la Reine des Neiges. Voilà. Et enfin, la dernière idée de cadeau que je pourrais vous donner, c'est si vous êtes proche des personnes, pour éviter de passer par la case chocolat, n'est-ce pas? Avouez, avouez comme ça. Et donc, je vous invite, si vous êtes proche, si vous connaissez bien ces personnes-là, allez sur les sites, vous savez, où vous pouvez personnaliser des objets avec des photos, par exemple, personnaliser des t-shirts, personnaliser des coussins, personnaliser des mugs. Sur les sites Photobox, ou alors imprimer plusieurs tirages photo Polaroid. Sur Sheerz. Je trouve que c'est le meilleur site pour imprimer des Polaroids ou imprimer des livres photos avec des souvenirs, etc. Je trouve que ça, c'est des cadeaux, mais hyper, hyper cool. Ou alors, si jamais une ado est fan de quelqu'un et vous savez pas trop quoi lui offrir, est fan d'un chanteur, etc., vous pouvez évidemment lui offrir une place de concert. Ben oui, ça c'est cool ça. Donc voilà, moi pour moi, rencontrer son idole, ça doit être un cadeau de Noël de ouf. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, que ces idées vous auront donné des idées. Et donc je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la série de Noël d'ailleurs. Et je vous embrasse très fort. Mouah.